Et si vous nous reconduisez comme mal, je vous promets d'instaurer un couvre-feu pour tous ceux qui portent des fourrures ou des écailles. Hein? Les monstres dehors! Il y en a marre! Bravo! Vive les mers! Un couvre-feu, pas question. Nous ne sommes pas des enfants, mais des monstres. Jamais nous ne supporterons cette humiliation. Je suis citoyen de Ravenville depuis plus de 300 ans. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Hein? Quoi? Vlad a décidé de se présenter. Horreur! Jusqu'à présent, personne n'a jamais osé se présenter contre moi. Je vais faire quoi? Pourquoi je m'inquiète autant? Vlad n'est qu'un monstre et aucune personne sensée ne votera pour un monstre. Je me trompe. J'ai bien peur que Vlad n'obtienne les voix de gargouille et de cagouille. Les monstres ont le droit de voter. Qui a fait passer cette loi? On n'est plus au Moyen-Âge, monsieur le maire. Cela fait bien longtemps que l'on ne cache plus nos monstres. Dommage. Bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, aucun d'eux ne votait. Que vais-je devenir si je perds? Je suis né pour devenir maire. Je ne sais rien faire d'autre. À l'école, j'étais le premier à l'oral. Je défendais mes idées. J'étais un meneur. Vous avez besoin d'aide pour votre campagne. L'aide de quelqu'un qui comprenne les monstres. Quelqu'un qui est proche d'eux. Les monstres sont insupportables. Vraiment inutiles. Et en plus, ils dégagent une odeur répugnante. Personne ne pourrait rester plus d'une seconde avec eux. Toi! Moi? Tu vas m'aider à garder mon fauteuil de maire, Brady. Merci. J'ai pas dit oui. Et dans le passé, vous n'avez jamais tenu compte de mes remarques. Je te promets que je vais changer. Regarde, je te le demande à genoux. C'est vrai que je m'entends bien avec eux, mais avec les monstres, il faut toujours se méfier. Ça marche. Avec mon aide, vous allez battre Vlad et redonner à tous les monstres de Ravenville la place qui est la leur. Non, oui. Génial, youpi, génial, youpi. Génial. Le maire et Brady Plunkett associés. Brady? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est tombé dedans. La tête la première. C'est un plan archi génial, Brady. Souvenez-vous, pas un mot de cette idée à qui que ce soit. Si le maire découvre que cette campagne est truquée, c'est cuit. Bon, vous savez tout ce que vous devez faire. Vive Vlad! Allez, faut se bouger. Ces élections, elles vont pas se gagner toutes seules. Je veux voir ça au plus vite sur chaque fenêtre, sur chaque panneau d'affichage de la ville. Tu te souviens de notre accord, grosse boule? T'en manges une, t'en colles une, t'en manges une, t'en colles une. Détends-toi, un petit sourire, ça ne fait pas de tort dans une campagne. Charmeur, hein? Einstein. Hey, Virgile, ça fait un moment que je t'attendais. Va coller des affiches pour Vlad. Amber, t'aurais pas vu Brady? Bien sûr. Et nous sommes les responsables en communication de la liste adverse. Tout ça ne te semble pas un peu étrange? C'est vrai, Brady adore les monstres. Quoi? Merci pour ton coup de main. Brady Plunkett est une vraie girouette. Et souviens-toi de ce que je te dis, il n'est pas le bienvenu ici au quartier général des monstres. On parlait justement des indésirables. Je peux savoir ce que vous faites ici, monsieur le maire? Et pourquoi n'abandonnez-vous pas? Vlad n'a aucune chance. Vous êtes morte de trouille. Vous faites une erreur grossière. Brady Plunkett est passé de mon côté. Et tout ce que vous savez à propos des monstres, c'est lui qui vous l'a enseigné. Mais il ne vous a pas dit tout ce qu'il sait. J'arrive pas à comprendre pourquoi Brady aide ce maire aux manières douteuses. Il y a quelque chose qui cloche. Tenez-vous-le pour dit, monsieur le maire. Ni vous, ni Brady ne nous font peur. Ne soyez pas aussi véhémente envers votre vieille amie. Brady a finalement compris, c'est bien. Et c'est vraiment bien.
ma dernière chance, les parents de Brady. Bichette, c'est le moment ou jamais. Il faut acheter des maisons. Personne ne supportera un vampire comme Mère. Mais tu dis que Vlad n'a pas la moindre chance. Bichette, toi et moi, on le sait. Mais la population ne le sait pas. Je n'y comprends rien. Chouchou, on n'a pas le moindre sou pour acheter ces maisons. C'est l'idée lumineuse de mon plan. Une fois que tout le monde découvrira que le maire va reprendre le contrôle de Ravenville, les prix remonteront en flèche. Nous serons riches. Est-ce que tu ne serais pas en train de me dire qu'on pourrait rouler nos voisins? Ah, seulement si nous réagissons au quart de tour. Toute la famille a vraiment perdu la tête. Les derniers sondages sont mauvais, car Vlad est toujours en tête. Bientôt, notre ville sera aux mains de ces monstres poilus. Non. Le cours de l'immobilier s'effondre à une vitesse vertigineuse. Le prix des maisons est en chute libre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? En tant que citoyen responsable, je suis là pour vous faire une proposition d'achat juste aujourd'hui. J'accepte de racheter toutes vos demeures. Ne baisse pas les bras, continue, fiston. Les monstres, ça pue. Ça me fait des légumes gratuits. La mairie au maire. Pourquoi ne pas organiser un débat public sur une place de la ville? Il faut employer les grands moyens dans les moments désespérés. Désespérés? Mais de quoi me parles-tu? Les gens quittent Ravenville et vous êtes distancé dans les intentions de vote, monsieur le maire. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. D'accord, sortez votre calepin. Bon, le voilà. Faites ce que font tous les politiciens. Promettez aux monstres ce qu'ils attendent. Magnifique. Il y a si longtemps que je ne me suis pas senti léger. Brady a subi un lavage de cerveau ou bien peut-être qu'on lui a jeté un sort. T'en fais pas, Brady. Tu peux toujours compter sur Virgil Harp pour te sortir de ce mauvais pas. Moi, je crois que j'ai dû faire un mauvais pas. Je me souviens de l'époque où Ravenville n'était qu'un charmant petit village au milieu des champs. Ces jours bénis me manquent. C'est quoi ça? Un discours qui va dans le sens du poil. N'oubliez pas, pour gagner, il vous faut les votes des monstres. Bon, d'accord. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça, monsieur le maire. C'est sans compter sur la présence de Virgil Harp. Cher monstre, sans votre présence, Ravenville n'est plus qu'une petite cité sans vie. N'arrêtez pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai couché sur le papier une longue liste de promesses et d'objectifs que je me fixe. Rien que pour vous. Et bien sûr, je dis non au couvre-feu. Un accès libre à tous les espaces verts de la ville, ainsi qu'à toutes les piscines. Les monstres auront des places réservées dans tous les transports publics et dans tous les restaurants. Et où sont-ils? Où sont-ils tous partis? Chez eux. Les élections sont terminées. Vous avez gagné avec une grosse majorité. Non, c'est vrai. En réalité, tout le monde a voté pour vous. Vlad a même voté pour vous. C'est étrange. Virgil a voté pour Vlad. J'aimerais savoir pourquoi. Je suis touché devant de telles réactions. En tant que maire, ma première marque de sympathie sera pour remercier mon responsable de campagne, Brady Plunkett. Il est
est 7 heures, monsieur le maire. Vous n'avez pas oublié ce que ça veut dire. Un instant. Je sais ce que ça veut dire. Promesse de campagne numéro 1230. Quand il est 7 heures, le couvre-feu, c'est pour moi. Bonne nuit. Oh, Brady est toujours prisonnier de ce terrible maléfice et tous ces monstres ne semblent pas aller beaucoup mieux. Ne fais pas un pas de plus, Brady, je te rejoins. Virgile. Et je ferai tout pour te tirer de ce mauvais pas. Tu peux compter. Oh, j'ai dû encore faire un mauvais pas. Est-ce que tu sais de quel mauvais pas il parle? Je suis de plus en plus certaine que ce gars vit dans un univers parallèle. Avec tous ces monstres qui se promènent en liberté dans Ravenville, eh bien maintenant, je ne connais pas une seule personne qui aura envie de venir s'installer à Ravenville. Je suis le propriétaire de 20 maisons que je ne peux plus vendre. J'ai plus un sou, je suis ruiné. C'est quoi, chouchou? Nos repas pour le reste de nos jours.